Bon, allez. Je sais pas comment on fait pour lui tirer sous ses pieds, sous ses pelotons comme ça. À l'origine, ce truc de tirer sous ses pieds, ça m'avait rendu fou. Alors lui, normalement, il en a un au cul, hein, à la tête, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois pas qu'il en ait d'autres. Ça lui fait plus rien. Hop. Allez. Bon. J'y suis pas du tout, quoi. Oh, putain. Par moment, selon l'endroit où vous êtes placé, ça peut vraiment faire chier de rester bien accroché. En gros... Il faut parfois mieux un peu lâcher prise pour se retrouver une meilleure prise que rester accroché comme un forcené sur un truc un peu foireux, quoi. Il y a des... Il y a certaines accroches qui sont limite buggées, quoi. Ou genre ton perso, le pauvre petit Wanda s'agite dans tous les sens. C'était un des premiers jeux où il y avait comme ça une musique dynamique vraiment intéressante, enfin à mes yeux, à mes oreilles. Il y en avait déjà eu, hein. Il y a des jeux comme Blood 2 et tout, où ça s'était fait aussi, et d'ailleurs de là très bien, hein, étant donné que c'était Trent Reznor qui était passé dessus. Je crois, je dis peut-être de la merde là pour le coup. Il me semblait que c'était lui. En même temps, il peut pas avoir fait en même temps celle de Blood et celle de Quake. Bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, elle était assez chouette, celle de Blood. Et elle était dynamique, mais vraiment fortement, quoi. Du coup, il n'y a même pas vraiment de piste qui existe. Il y a des types qui ont bricolé une bande-son à partir du rendu qu'elles avaient et tout, mais... La musique était intégralement dynamique. Et là, sur Shadow of the Colossus, elle est pas tout à fait dynamique dans ce sens-là. Elle l'est au sens où dans les combats contre les colosses, il y a des étapes du combat, enfin des instants quand on est sur les colosses, quand on est au pied du colosse, quand on est en train de l'attaquer et tout, qui déclenchent des séquences musicales. Et j'avais trouvé vraiment que la façon dont c'était fait dans ce jeu, c'était vraiment remarquable, quoi, tout simplement.
beaucoup plus intéressant que juste, oui, voilà, mettre légèrement, comme dans un Silent Hill ou des trucs de ce type. Bon, où c'est déjà sympa hein, dans Silent Hill, mais juste mettre quelques effets d'ambiance, des choses comme ça. Non, non, là, il y a de la musique symphonique qui se compose à moitié en live, quoi. C'est assez couillu quand on y pense. Et je pense pas qu'il y avait un autre jeu qui l'avait fait de cette façon-là, avec autant d'ampleur, quoi. La caméra, quand même, elle est un peu gerbante par moment. Mais voilà, c'est dommage, vous voyez, si je la laisse faire, elle fait ce truc de se fixer au sol, là. Et c'est d'autant plus dommage que là, le cheval, il fait le boulot tout seul, quoi. Il faut juste un peu lui indiquer, là, l'embranchement. Mais, en gros, sur le pont, vous pouvez pas le faire tomber en mettant sur les côtés, quoi. Il est pas con. Ils ont changé l'acoustique selon l'espace dans lequel on se trouve. Ça, je pense pas que ça y était à la base. Voilà, j'aimerais bien connaître un être humain capable de faire ça. Sauter dans l'eau. Ça, par contre, il n'y a pas moyen de nager sans plonger comme ça. Nager plus vite que ça et sans nager comme une espèce de clébard là. Bon, on arrive à un des colosses les plus iconiques du jeu. Selon moi, c'est pas du tout un des... Bah, la promo du jeu, d'ailleurs, c'est encore lui qui sert d'icône... d'icône pour cette version. Il est très beau et c'est un vrai géant. Je pense que c'est pour ça qu'il a été utilisé à ce point-là. Mais il ressemble un peu trop au géant de métal, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, du dessin animé. Géant de fer ou je sais pas quoi. J'ai rien contre hein, mais du coup je trouve qu'il est pas hyper original comparé à certains autres. Mais les autres il les considérait peut-être un petit peu trop comme ultra typé et tout, parce que c'est souvent genre il y a le titan, le colosse poisson, le colosse lion, le colosse serpent et tout. Celui-là, il a sa forme humanoïde, qui lui donne vraiment un aspect particulier. Et il est plus spectaculaire que le premier, et certains autres un peu taillés dans le même bois. Il a son côté robot et tout. Il a un design plus intéressant que ceux qui ressemblent juste à des espèces d'énormes singes, quoi. Je crois qu'une énorme partie de la promo du jeu s'était axée aussi sur celui-là, quand même. Bon, alors lui, il peut faire très mal. Et il est pile à l'endroit où ça craint qu'il soit.
Ah putain. Putain, je suis bien mal placé, y'a pas de rebord auquel s'accrocher au-dessus. Ah putain. Toutes ces animations, elles sont tellement bien. Mais là, je pourrais pas passer. Bon, d'accord. Allez, on redescend. Il faut d'abord le faire taper sur cette chose. Et attention, ça peut faire très mal, il vise assez juste. Voilà. Oh putain. Ouais, je vous l'avais dit, on dirait pas, mais si, si, il vise juste, quoi. Et si on s'arrête un peu trop, il y a moyen de se le prendre sur le coin de la trombine, quoi. Ici. Allez, putain. Typiquement le genre de truc que je t'écrivais tout à l'heure, quoi. Putain, je peux juste pas. Là, il fait n'importe quoi. Allez, allez! Je peux même pas faire une putain de petite pique, quoi. Allez, quand j'appuie sur triangle, il lâche comme ça, quoi. Sérieusement. Je ne peux pas le frapper, quoi. Allez. Putain. Allez, on va tenter un truc à la One Again, s'il veut bien arrêter. Est-ce qu'il a pas... Il en a peut-être un sur l'épaule là-bas de l'autre côté.
Je pense pas qu'il y ait juste celui sur sa tête là encore. On va quand même commencer par celui-là. Si tu veux bien te redresser. Quoique. Non, je pense que ça va pas être aussi simple. Merde, 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 merde. Non, 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 non. Calme-toi. Vite, il faut que je lâche. Putain, bah ça a été juste. Non. Wow. Oh là 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 là. Non 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 non. Bleh. Bon non, il y avait que deux aussi. J'avais le souvenir qu'il y en avait un autre. Bon, mais ça doit être sur un autre colosse. Anyway, on cut ici. À plus.